Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nouvelle formule, vous avez vu notre petit jingle d'introduction. Donc, nous revenons ici pour essayer un peu d'échanger, pour essayer un peu de vous mettre à l'aise, espérant que vous allez passer aujourd'hui, le 18 septembre 2023, de bons moments avec moi, Germain Kaindo. Donc, nous allons essayer encore une fois de plus de vous amener nos réflexions sur l'actualité, nos réflexions, nos solutions que nous proposons pour la bonne marche et l'essor et le changement que le peuple congolais attend de nos dirigeants, donc d'un Congo de demain, un Congo où il fera bon vivre, un Congo où il y aura la réconciliation, il y aura une certaine cohésion nationale pour le développement de notre pays. Donc ici sur Contact Pro Live, nous réfléchissons sur tout ça, nous vous amenons des solutions, nous ne faisons pas que pérorer, nous réfléchissons si vraiment le Congo de demain, que nous laisserons à nos enfants, c'est quel sera ce Congo-là. Et au moment où nous sommes à la veille de nos élections de décembre 2023, qui décidera de notre mandat s'il y en aura pour Félix Tshisekedi, où nous aurons peut-être un nouveau président de la République, nous allons essayer un peu de réfléchir sur ces candidats. Vous l'avez lu dans nos titres, c'est-à-dire nous posons comme question ce que, le Messie que nous attendons. Et quel sera le rôle de ce Messie-là? Et ce Messie-là, est-ce que c'est le Messie qui viendra avec le changement? Est-ce que ce sera encore un faux Messie comme a chanté un de nos artistes qui a chanté un faux Messie? Des gens qui promettent et qui ne font jamais effectivement ce qu'ils ont promis. Donc, les promesses ont été vaines pendant les cinq dernières années, les 60 dernières années après l'indépendance. Donc, nous ici, nous réfléchissons quelles sont les conséquences de nos élections. Qu'est-ce que ces élections apportent de nouveau dans la bonne marche de notre pays, la marche qui nous conduit vers le développement, vers la liberté, vers l'autosuffisance, vers l'auto-appropriation de nos propres problèmes. Alors, ici à Contact Pro Live, vous aviez certainement remarqué que nous avions été pendant un moment, une semaine, absents, mais nous réfléchissions toujours sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. La dernière en date, c'est le dépôt de la candidature de Moutamba Constant. Il y a Rex Kazadi qui a déposé sa candidature. Il y a Delice Sanga qu'on attend aussi. Il y a Matata qui a déjà déposé sa candidature pour les élections présidentielles. Et nous allons nous focaliser sur le rôle de ceux-là qui viennent, qui veulent les diriger. Est-ce que ce sont des messies? Est-ce que ce par un bâton magique qu'ils changeront les choses? Nous avons constaté qu'Amer est venu à la tête de notre pays disant que non. Tout simplement, ma présence à la tête du département de l'économie, les choses vont changer. Y a-t-il eu des changements? Le taux de dollar a commencé à baisser un peu et puis elle a remonté. Donc, nous sommes dans un embroglio total où nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe exactement et que nous ne savons pas exactement. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC élection présidentielle, l'UNC de Vital Kamerhe gronde. Et puis le président Félix Tshisekedi à New York. On termine avec élection.net. Peter Nord Kivu, non, le général Peter Tshirimwami n'est pas le nouveau gouverneur AI. On va sur actualité.cd. Kwango, les enseignants de Kaemba la grève. Salomon Escadela face à la justice ce lundi, des allégations d'espionnage en toile de fond. Congo profond, UDPS Équateur, guerre des tranchées entre la Ligue des jeunes des forces du progrès et le maire de Mbandaka. Au Katanga, la SNEL en guerre contre le raccordement frauduleux et insiste sur le respect des horaires de délestage à Kasumbalesa. 7 sur 7,
fonction publique, le gouvernement s'engage à intégrer les frais de transport et de la mécanisation de 50 000 agents. Et puis, Kinshasa, à Mongafula, un centre de santé demande la gratuité de maternité avec ses propres frais, sans assistance du gouvernement. Et enfin, agression rwandaise, rien qu'avec le poste frontalier de Bunagana et d'Ishasha, le RDC perd plus d'un million de dollars par mois, dit Mouyaya. On termine par Radio Okapi, Kwango, 15 militaires tués dans les affrontements avec les miliciens Mobondo à Moulossi. Kinshasa, le Fonarev annonce la réparation des victimes de violences sexuelles subies dans 5 provinces depuis 1993. Goma, activité paralysée à la suite des manifestations contre le programme d'inhumation des victimes du 30 août. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Et donc, je disais qu'il faut que nous puissions aller voir les discours que ces messieurs-là sont en train de nous apporter. C'est qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelles sont les intentions que ces gens ont? Est-ce qu'il y a-t-il de vérité entre ce qu'ils sont en train de dire et ce que nous connaissons comme problème de la République démocratique du Congo? Nous pensons que le problème de la République démocratique du Congo, c'est la responsabilisation du peuple congolais à se prendre en charge. Étienne Tshisekedi l'avait dit, qu'il faut que vous, peuple congolais, vous puissiez être à mesure de vous prendre en charge. Pourquoi je dis ça? Et comment est-ce que je pense que Tshisekedi avait raison sur ce point-là? Mes chers amis, lorsqu'il y a un pont qui s'écroule quelque part à l'intérieur du pays, s'il y a une route qui ne marche pas, s'il y a des problèmes dans les assemblées provinciales, s'il y a quelque chose, nous tous, nos regards sont rivés directement au président de la République. Regardons un peu sur la Constitution. Quel est le rôle du président de la République? Alors, dans le passé, nous avions vu que beaucoup de choses se faisaient par le président de la République. C'est le président de la République qui finalement s'est substitué à l'État congolais. Donc, tous les problèmes. Ce qui problème est comme Ika Nasuka, au président de la République, Talela Bissoboué. Nous avions vu que tout le pouvoir lui a été donné. Même la Constitution a été massacrée sur ce point-là. C'est-à-dire que le président, ce n'est pas lui qui va aller faire le projet ou bien il va initier des projets tels par-ci, par-là. Non, le rôle du président de la République, selon la Constitution, c'est de s'assurer que les institutions sont en train de bien marcher et réguler et voir. C'est lui le garant. C'est lui qui doit aller voir si les institutions marchent ou si les institutions ne marchent pas. Qu'est-ce que nous avions constaté? Je prends l'exemple de ces 5 dernières années où le président de la République s'est plaint lui-même en se disant « La justice ne marche pas. L'armée, il y a beaucoup de cacophonie là-bas. Il y a beaucoup... » Mais son rôle, c'est justement corriger ce qui ne marche pas. Son rôle, ce n'est pas de prendre les prérogatives des institutions et commencer à ériger des projets, à faire des projets. Quand nous rentrons dans la Constitution, nous voyons que le président de la République, ce n'est pas lui le gérant comme on dit en anglais, de day-to-day, de la bonne marche du pays. Ce n'est pas lui le gestionnaire du pays. Mais nous avions constaté que le président de la République a beaucoup d'argent. On ne sait pas d'où cet argent vient. C'est lui qui prend en charge. Il construit, il promet les universités, il promet de reconstruire des choses. Il fait, il investit. Même la... nous avions vu en 2018, Félix, Kabila avait dit que non, c'est sur le front propre de la République démocratique du Congo qu'on organisera les élections. C'est-à-dire que l'argent devrait être généré par le pays et c'est lui qui gérait ce fonds-là, c'est lui qui décidait de ce fonds-là, c'était le président de la République. Ainsi, nous voyons que le président de la République se substitue au gérant, se substitue au niveau du premier ministre, selon notre constitution. Le premier ministre, aujourd'hui, n'est que même pendant le Kabila, le premier ministre était des gens, donc cette institution du gouvernement n'était qu'une caisse de résonance de la présidence. Et vous aviez entendu que
Le premier ministre dit que nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État, ainsi que tout ce qui se passe se remettait à la tête du président de la République. C'est ça qui fait le poids et c'est ça qui nous met en craquant et nous dérobe justement de ces responsabilités que nous, Congolais, nous devrions faire. Ce n'est pas tout. Le président de la République ne peut pas aller prendre une bêche pour aller reconstruire quelque chose ou bien faire ceci et cela. Ça doit être, selon la Constitution, être le programme du gouvernement qui collabore justement avec la présidence de la République. La présidence de la République ne joue qu'un moniteur, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a l'argent, ce n'est pas lui qui décide que non, ceci va se faire, non, ça doit être inclus dans le programme du gouvernement. Donc nous retombons dans une formule ou bien dans une machination où le peuple finalement ne comprend pas le rôle du premier ministre, le rôle du gouvernement. Nous avions vu tous ces bavures-là et ça comme conséquence justement n'est pas le non-respect de la Constitution. Voilà là où le grand problème de notre pays existe. Et c'est cela que nous, d'autres personnes, soupçonnent que non. Ceux qui veulent aussi être le président de la République, ils veulent aussi récupérer ce pouvoir-là qu'a le président de la République aujourd'hui. Nous voyons tout en la présidence de la République. Et donc, lorsque nous voyons, lorsque nous constatons, par exemple, nous écoutons le discours de ceux-là qui veulent venir à la présidence de la République, nous sommes sidérés. On se dit, mais ces gens ici, vraiment, pensent-ils que ce sont leurs programmes ou bien leur vision qui sera exécutée ou bien ça sera le peuple congolais qui décidera sur un programme? Est-ce qui en sera le responsable? Aujourd'hui, tout retombe sur le président de la République. Et le président de la République est celui-là. Il est le pouvoir suprême. Et lorsque nous parlons, nous disons que le mandat du président de la République a échoué. Or, le mandat du président de la République ne pouvait pas... Est-ce qu'il a... Moi, je pense que son bilan, ça sera être pointé sur la gestion du pays. Est-ce que les institutions ont-ils marché comme la Constitution nous le prévoyait? Est-ce que le président de la République a-t-il été capable de faire fonctionner les institutions? C'est ça la question. Mais pendant que le président de la République se plaint, on se dit que non, son bilan, c'est la reconstruction d'un pont, la reconstruction d'un bâtiment, et on nous montre que les choses devraient être données au premier ministre. Et c'est là le grand problème de notre pays. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce que nous connaissons vraiment ce que nous sommes en train de faire? Parce que à qui est le responsable s'il y a un pont qui ne marche pas? Est-ce qu'un département a failli à sa mission? Est-ce que des institutions, par exemple les ITPR, ont-elles marché? On n'entend même pas parler de ça. Tozoyo kate lokwanate. Samalukonda komika ka figira mokobo. Parce que c'est lui qui était supposé être le responsable, qui devrait en principe défendre son programme et donner le bilan auprès du Parlement. Et moi, je pensais peut-être qu'à la session de septembre qui s'est ouverte le 15 ici, le premier ministre devrait venir. Voici le bilan de 2 ans ou bien de 3 ans que je suis passé et je suis venu ici pour vous présenter le programme sur les institutions, la bonne marche des institutions ou bien les réalisations que nous avions fait avec l'argent que nous avions récolté. Voici ce que nous avions fait. C'est là où nous pouvons dire qu'il y aura bilan. Mais ce n'est pas au président de la République. Le président de la République va donner quoi? Est-ce que c'est lui qui devrait décider de la bonne marche des institutions? C'est ça. Lui ne sera que responsable de la bonne marche des institutions. Il ne sera pas le messie qui a fait à ce que à Kananga ou bien dans le Kasaï, il y a construction de ponts ou il y a d'autres choses comme ça. Non, ce n'est pas à lui. Ezali kambuna et ezali kambaba gestionnaire. Bosala kindenge nini po répartition ya mbongo na étendue mobimba ya Congo ezala équitable. Nini yango gouvernement esali na ba région boye na banani boye. Qu'est-ce que vous aviez fait pour que mbongo ekota na kese à l'état bino gouvernement parce que bino nde bozaba gestionnaire selon la Constitution. Et donc moi je me dis ceux qui se disent que non le bilan du président de la République a été vraiment
catastrophique ou bien une réussite, c'est en fonction même, justement, nous devions nous évertuer à penser sur la bonne marche des institutions. Parce que le rôle principal du président de la République, c'est la bonne marche des institutions de l'État. Est-ce que l'État a existé pendant les 5 ans ici? Avons-nous perdu les territoires? Et qui en est le responsable? Ça sera le président de la République qui n'a pas pu faire marcher l'armée. Ça sera le président de la République. Parce que dans ses prérogatives, selon la Constitution, c'est la sécurité. Est-ce que du côté de la sécurité, les choses ont marché? Est-ce que était-il un faux messie? C'est là où je reviens. Était-il un messie? Lorsque le peuple aujourd'hui est en train de se plaindre que ceci ne marche pas, on n'a pas de passeport, on n'a pas de permis de conduire, est-ce que le président de la République s'est-il interrogé sur les institutions qui devraient donner les cartes d'identité ou bien les cartes de permis de conduire au peuple congolais? Est-ce que le président de la République a-t-il suffi à regarder un peu, à s'assurer que la régie des eaux, par exemple, donnait de l'eau aux Congolais? Les soins. Aujourd'hui, on voit la gratuité de l'enseignement. On l'attribue au président de la République qui est c'est son bilan et tout ça. Mais l'institution même de l'enseignement, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche pour qu'on puisse créditer ça au président de la République? Qui en ont les responsables si les choses ne marchent pas? Et là, vous allez voir, si les choses ne marchent pas, ce n'est pas le président de la République. Mais quand les choses marchent, on l'attribue au président de la République. A-t-il fait des réformes dans l'armée? A-t-il fait des réformes dans le service de sécurité? A-t-il fait des réformes dans le service de l'enseignement? Ça n'est-il rassuré que non, les choses marchent à Mobimbongo? Et tout C'est cacophonie qui se constate dans les assemblées provinciaux. Est-ce que le ministère de l'Intérieur, le président de la République, s'était-il mis en réunion avec des institutions en disant « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Mais nous avions vu le président de la République créer des services parallèles, c'est-à-dire des services qui sont directement attaché à la présidence de la République, et même donc l'institution qui en est l'auteur ne pouvait rien faire. Nous allons aller dans l'histoire des RAM, par exemple, à la communication. Il y a eu beaucoup d'argent, on ne sait même pas jusqu'aujourd'hui cet argent est parti où. Et c'est là le grand problème que je suis en train de poser ici en disant, nous ne pouvons pas, nous, peuple congolais, en se disant que non, revient avec un discours en disant que c'est moi qui va tout faire. Non. C'est là le grand problème et que moi je pose comme problème à vous les Congolais, à vous qui me suivez, en disant il y a beaucoup trop de faux messies. On ignore, on fait fi à l'aspect de l'autoprise en charge du peuple congolais. Le peuple congolais devrait être responsable. Et moi je pense que les discours que les gens qui viennent devraient se concentrer sur la rétrocession maintenant de ces pouvoirs au peuple congolais, de se prendre en charge en disant s'il y a un pont qui se casse aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller recourir au président de la République à venir faire un pont. Nous avons vu dans le passé, dans l'Ituri là-bas, le président aller inaugurer un pont et tout ça. Est-ce que c'est son rôle? Moi, je ne pense pas. Et c'est pour cela que j'ai dit que beaucoup des discours que nous sommes en train de suivre, j'ai suivi Constant Mutamba, j'ai suivi Rex Kazadi, j'ai suivi Matata, personne n'a parlé de l'importance du Congolais de rentrer au travail. Mes chers amis, le travail que nous cherchons, Katumbi est en train de promettre aux gens que non, il amènera du travail. Non, il faudrait que le peuple congolais puisse avoir des structures, avoir de quelqu'un qui viendra à leur dire que ce n'est pas moi qui fera le travail, qui créera le travail à votre place. Nous devons mettre des climats d'affaires, nous devons nous mettre en confrontation afin que vous puissiez être responsables. Quand nous réclamons aujourd'hui que non, la liberté, tout ça, nous devons être libres, nous devons être autonomes, ce n'est pas que quelqu'un va amener cette autonomie, ce n'est pas que quelqu'un va vous amener maintenant en disant que non, voici le travail, je vous amène les compagnies, et que vous ne comprenez pas d'où elles viennent. Batwana bakoki koya lelo, bakoki koye bisabino makambo ebele balobite, biso tokotongela bino boye, biso nde mutokosale la bino boye, biso nde mutokosala boye, biso nde mutokosala boye. Et puis vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bokosala wana puna boliaka.
Ce que nous sommes en train de chercher, c'est que nous approprions de notre indépendance en disant, si les choses ne marchent pas, nous devons être capables de savoir qui n'a pas fait quoi. Ce n'est pas tout simplement aller jeter tous les mots au président de la République. Et s'il y a quelque chose qui marche, on va dire que non, c'est le président de la République qui a réussi son mandat. Il a réussi comment? Il doit avoir réussi à faire fonctionner les institutions du pays. Aujourd'hui, tout le monde se plaigne. Oh, les thèses à la caté. Ah, tout ça. Toutes ces institutions en République démocratique du Congo ne marchent pas. Quelqu'un va me dire que non, les institutions existent. Mais elles existent, mais elles ne fonctionnent pas. Elles ne donnent pas le rendement qui leur était révolu en plein. Bazo sala moussala na bangote. Présidence de la République. C'est pour cela, dans tous les discours de tout le monde ici, que je vous dis que les messies, les gens viennent en vous disant que non, bisotan ou toko zoa bokonzi, toko sale la bino boe, toko pe sabino batriko, toko pe sabino, toko sili sa nzala boe. Nzala, eko kiko sila manna moutou moko te ke non, ba chinois de moutou bakoya ko sale la biso te, biso mokonde photo sa, toza la na manette, na commandement, yako lona, yako sale. Il faut s'approprier l'indépendance. Et donc, qu'on ne vous trompe pas. Moi, je me dis que ce sont les faux messies qui sont en train de venir de vous dire, oh non, biso toko sale la bino boe, toko sale la bino bope sa biso bokonzi, toke ne na élection, gagne na kozala boe. Et moi, là, maintenant, dans cette partie ici que je vais entrer, je veux me concentrer sur l'espoir des Congolais qui s'étaient trouvés du côté de Fayulu. Aujourd'hui, Fayulu est entre le marteau et l'enclume. Faut-il aller aux élections avec tous ces cacophonies ou bien faut-il qu'il laisse? C'est du côté Fayulu. Mais côté Siko Mukwege, oyo ba peuple balobi Mukwege, zwa bokonzi mboka otambwisa mboka bandeko. Et puis ça, c'est un message que j'adresse au docteur Mukwege. Mukwege, ne pensez pas que vous êtes, même ta personnalité n'est qu'au changer makambu na République démocratique du Congo. Non, vous devez avoir du tact en disant ce n'est pas moi. Justice, il faut ça la moussala na yango. Moi, je ne peux pas m'ingérer dans la justice. Je ne peux pas m'ingérer que nga mokona na banda okendo kangabatu. Comme le président de la République aujourd'hui, moutousoka lobi boe, yé bakangie, moutousoka sali boe, azos loba boe. Il y a des choses qui sont en train de se faire que nous devons éviter. C'est comme cela que j'ai dit au docteur Mukwege, de modifier un peu son discours. Parce que si l'espoir aujourd'hui, en disant que personnalité na yewana, ekosali sabiso, mais yamo touye zali nini, ezali que Congolais azonge la moussala, asala moussala, pas ya kokende na ba société pour ba fouta, il faut que l'État redresse, remettre l'État en place. S'assurer que les institutions de la République démocratique du Congo fonctionnent et fonctionnent dans le bon. Ce n'est pas assez qu'ils puissent s'ingérer là-dedans. Ils doivent aller là et rechercher. Aujourd'hui, par exemple, Tolo Balikambo est armé. Service à sécurité, le président Assali Makasi a changé Batukoto. Est-ce que ça donne des résultats? Non. Qu'est-ce qui se passe donc dans le service, dans l'institution? Est-ce que Batouana Tchekuna, est-ce que Bangonde Mutubazali Kosala? Nous avions vu les réformes universitaires, nous avions vu les réformes balancées, santé gratuite, maternité. Est-ce que c'est ça le réel problème? Bandeko, moi ce que je peux vous dire ici et vous rassurer que
eza mutu te mutu o ya koya koloba kengana ko sala biloko nyoso o eza ko eza ezo kende malamu te na République démocratique du Congo. Donc docteur, il faut faire très attention avec le discours ou bien avec ce que vous voulez apporter en République démocratique du Congo. Il faut qu'on yeba problème nini, il faut qu'on tala qu'on se dégager na eloko na balobi pouvoir. Sans le pouvoir pour le pouvoir. Kaba mona kayoka kayonde président parce que yonde docteur Mukwege makamunyo se kosale ma automatiquement. Te. Adoptez plutôt une attitude à koloba. Te. Congolais nyon se fouez à la responsable nandenge nae. C'est comme ça qu'est né. C'est que nous nous avions appelé ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que la base puisse se prendre en charge. Toutes les institutions ont ça la moussala na yango. Et c'est ça le rôle, moi je pense que le président de la République devrait avoir. Pas créer des services parallèles. Nous avons vu le président Félix venir avec, en créant des structures tout autour de lui, jusqu'à avoir même 1000 conseillers. Donc, et comme il gouvernement Moussoussou, en parallèle, n'a gouvernement OESA en place, OESA reconnu par la Constitution. Nous devons être très attentifs au peuple congolais et puis aux institutions. Faisons fonctionner l'État. C'est ça le grand problème de notre pays. L'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un président faible ou un président fort. C'est parce que le Congolais a cessé de travailler. Les Congolais ne travaillent pas. L'État congolais n'existe pas. C'est pour cela que j'ai dit, le réel problème, c'est de faire exister cet État congolais. Et nous, le chemin que nous avions dit, allez-y par la rétrocession du pouvoir de là-bas à la base. C'est-à-dire, on y arrivera comment? On y arrivera par l'appel aux états de lieu de chaque territoire pour que tous les Congolais dans chaque territoire réfléchissent. Baye ba que non, awa, souki moussale sale makate, ni nyangwe et pesaka kokoso. Est-ce que l'administrateur des territoires basa la kamisala nango? Et pour y arriver, l'isolo wana esebeta manat sur toute l'étendue du territoire. Côté obi tumbezali batuba vanda ba solo la baloba non li solo oyo eza toza ko sala pona ko bongisa mboka oyo eza li solo te ke no mboka oyo ko kende ko bongisa ma na Kinshasa te avant que to yeba nini yango ko salema awa il faut to yeba nini yango tozalaka na yango batu nini yango bazalaka awa. C'est ainsi que nous sommes dit la rétrocession du pouvoir devrait s'opérer dans le cadre des états de lieu de chaque territoire où le peuple congolais va commencer à se parler avec lui-même pour essayer un peu de trouver une conciliabilité basse homogénéité mokobo bisonyo soto yeba problème en mboka toko gérer en ngondenge nini même avec le peu que nous pouvons avoir au gouvernement central azotindi que la biso na ba province na ba territoire tozo kamba yango ndenge nini. Et donc, c'est à ce moment-là que le peuple à la base pourra se dire que non, bon, voici, le territoire ne marche pas parce que nous n'avons pas assez de moyens, parce que nous n'avons pas ici. La gestion des territoires doit être vraiment pour que la redynamisation à l'État est à la kuna. Bah, juge est-ce que Bazalaka, na côté à justice, na côté à sécurité, est-ce que l'administrateur des territoires peut savoir combien de militaires il gère, batou combien Bazalaka na katia territoire naye, bah, commerçant Bazalaka, batou nini ango ba fouta ka impôt. Et cela devra être discuter dans ces états de lieux de chaque territoire où le peuple congolais va se connaître. Ba congolais photo yebana to yebana nani aza nani awa nani asala kanini mbongo combien tozwaka awa na territoire ou bien na province awa na ba état de lieux wana tokomona soki to sali yango renouvellement ya classe politique ko zala lisusu plus effectif et puis tokozala na ba bato baza ba uti penza na source. Batuo ba yebi mboka ndenge zali, ba yebi ndenge na bango zali. C'est comme ça que nous sommes dit, les états de lieu devraient être mis en place avant toutes choses. Et ces états de lieu, ce sont des conférences, je parle des conférences, des enfants de chaque territoire qui vont se réunir pour réécrire une nouvelle constitution. C'est là où moi je rejoins un peu le discours de Delice Sanga qui dit qu'il faut refonder le Congo. Refondation à Congo, c'est que tu as chambardé Babilo Konyoso. Il faut tout mécanisme pour la cohésion nationale à partir des territoires. Chaque territoire, tu yebi. Tolobi awa biso tokobanda kopona boye biso tokobanda kosala boye biso tokobanda. Voici ce que nous pensons que qui va exprimer notre liberté et notre indépendance sur notre territoire. Et tokobanda nango na nini tokobanda nango na
ba recensement na identification à population et kozala en charge ya nani et kozala en charge ya bato ba kosala ba état de lieu à chaque territoire wana ba état de lieu à chaque territoire wana ba conférence wana et kozala na commission ya ko produire texte ya sika o kozala étudier na ba juriste pa bato nyonso o ba kozala spécialisé mais l'aspiration le fond devrait venir du peuple au niveau de la base c'est-à-dire dans ces états de lieu. Pendant que les gens sur le territoire vont commencer à réfléchir sur une nouvelle constitution, Batumusosu, Bakobanda Kosa, la identification Kuna, ce n'est pas que quelqu'un du Bas-Congo venir faire l'identification au Nord Kivu, non. Batu à Nord Kivu va s'identifier. Biso Bas-Congolais, Awana Nord Kivu, par exemple, na territoire à Lubero, Tozali 150 000, Tozali 300 000. Et là, Kwana Kope Sabiso, image à Congo et à Sika. C'est là où nous voulons en venir. Toka Congo a si kandenge nini soki batu ba vandite ba lobite awa tozala kana 5 tribus, awa tozala kana 20 tribus, awa tozala kana nous sommes autant. Nkita na biso yango to yebi yango ke awa tozwaka or awa tozali tozana ba bilanga yango eza e pa banani banani yango basa c'est tout ça qui doit être constitué et c'est comme ça là que nous disons Docteur Mukwege, landa biso awa, koya kape na ba discours ya batu o ba yaka liboso te en promettant aux gens que non, ma personnalité, na yebani à l'étranger, na za prix Nobel et à paix. Vous devez réfléchir sur la gestion du pays pour que cette gestion-là que vous apporterez, ce qui batu ba pe sur confiance, o ya na solution moko o yebi que non, ce ne sera pas moi Mukwege qui fera le travail, mais le travail sera fait par les Congolais au niveau des territoires pour pas se prendre en charge. Nous devons savoir qui fait quoi et comment le punir dans les territoires. Nanyangwa iba kambongo, mosolongwa dépense makandeni. Quels sont les projets communautaires de la base qui doivent être mis en exergue pour que la base se sente en question à bazolo bakeno. Tofuta kampaku awa, mutuni yango tofuta kampaku nae, l'état nabiso représenté na awa na territoire nabiso. Nous devons arriver à remettre cette confiance là du congolais avec son état congolais. L'état oeza ko gérer alors dans tous les discours yango naza ko yebisa na ba peuple congolais awa bino batu za ko zela la campagne électorale ya batu oyo baza ko senga bokonzi soyez très vigilants vigilance na bino ko zala ndengeni e ko talema na discours o batu baza ko pesa bino na kati ya discours wana bango balingi basala kaka ndenge mokonzi akala salaka. Nous voyons des discours parce que Kabila avait fait ceci, si nous faisons comme ça, non, c'est parce que nous, Mboka batike la kabiso boy, tukongi ko sala ndenge nini. Est-ce que dans 5 ans, angona, eloko salema ki 18 ans, salema ki tibiso tukongi ko change angote. Ça, ce sont des discours de faux messie. On est ba discours ya ba faux messie. Le vrai messie, c'est celui qui, même Jésus-Christ a dit, vous êtes celui qui va faire tout. Nazako yebi sabino ngai par makambonga nazako yebi sabino mais bino nde mtu boko sala misala ebele le sali ne s'obtient que par ce que par l'engagement ya yomo kolobi que non ngai na ko se prendre en charge na kende na sali et donc les solutions que nous devons mettre en place ce sont les solutions que moi je propose ici d'aller par les territoires réorganiser les territoires donner cette idée montrer le chemin à ce que les Congolais ne puissent plus regarder ailleurs pendant cette magistrature nous avons vu le président de la République pensant que la solution viendra de l'extérieur il a fait beaucoup de voyages mais rien ne s'est fait. Et le Congo est salé maté. Congolais s'est retrouvé dans le voyage, nous sommes dans le président de la République. La solution est interne. La solution de notre pays est interne. Et le Messie ne viendra que nous dire ce discours-là en disant travaillez, soyez des responsables, mettez les choses là où elles doivent être. Et c'est là que nous avions dit. Rétrocédons le pouvoir au niveau de la base pour que la base puisse comprendre. Nous n'avons pas dit que non, cette rétrocession va nous causer balkanisation. Non, ce n'est pas ça. La balkanisation ne viendra pas par l'autoprise en charge. Non, l'autoprise en charge devra être la conscience du peuple, du politicien, du peuple congolais, les politiques,
société civile na ba tunyo surtout au baza kosala ensemble ya ko bongisa mboka. Et c'est ces gens-là dans les territoires, moi je me dis, quelqu'un m'a posé la question de savoir comment est-ce que nous allons choisir ceux-là qui vont assister ou bien qui vont travailler dans ces états de lieu de chaque territoire. Dans les territoires, c'est plus facile. Et ça facile na katia ba territoire to yebani awa awa ze pa na biso to yebani to yebi ba prêtre to yebi ba intellectuel e pa na biso, nous pouvons nous mettre d'accord et puis nous mettre avec to cohésion moko na katia territoire na biso to lobi awa nde to kosala boy awa nde bino yo mtoza oza juriste yo za docteur yo za boy, comment est-ce que nous allons faire la politique pour l'avancement de cette communauté? Et ça possible bandeko, c'est possible. C'est simplement que il faut qu'on zala na liso akota la kolobate. Ce n'est pas l'étranger qui viendra nous construire des routes ici. Même si l'étranger vient construire les routes ici, mais si nous ne sommes pas ensemble, s'il n'y a pas de cohésion nationale, ba route wana ba kosala ngoka ka kibudi kibudi. Mais si c'est vous-même qui prenez la charge en se disant cette route doit demeurer pendant 50 ans, vous êtes des responsables de votre territoire. C'est cette responsabilité, la rétrocession des responsabilités au niveau de l'État pour que l'État ait à la bomoko. Chemin wanande eko bi ki sambo kanabiso. À part ça, moi je ne vois pas. Ce qui est au Kenya, kaka naba Messi, oh et oh, mtu a kozo ya koeb sabino keno. Moi, c'est moi qui va faire ceci, c'est moi qui est connu, c'est moi qui est populaire, c'est moi qui est... Non, vous pouvez être populaire au Katanga, mais vous n'êtes pas populaire à Aru. Vous n'êtes pas populaire à Bukavu, vous n'êtes pas populaire à Mbandaka. La popularité ne signifie pas que non, c'est celui-là qui va être le bon président de la République. Non, ce n'est pas la popularité, c'est le discours et les objectifs, la vision, il y a co-responsabilité. Et donc, pour terminer, je vais vous appeler à scruter les discours que tous ces politiciens sont en train de venir avec pour vous arracher cette vote-là de décembre 2023. Na koti penza na mozindo te aba discours aba président Moussousou, mais na pesika message moko na docteur Mukwege que discours wana zok akoya nango eza la discours o eza li différent na bao baleka awa. C'est-à-dire, il faudrait que okene na sens a koloba. Bino batu bo pesinga yi ba mbongo na bino pona kende koza la candidature, mais moi je vais vous retourner quoi la responsabilité que non, vous devez vous prendre en charge. Makambo ya kolobaka que président yemoko boye, et cela doit passer par la réorganisation totale de la République démocratique du Congo. Odeli se sangaza kolobaka il faut refondre le Congo. Le Congo le refondre, ce n'est pas que tokosala musu. Non, remettez d'abord cette cohésion nationale en se disant voici ce qui va commencer à se faire, qui doit être différent de ce qui s'est fait pendant 25 ans, pendant 65 ans à l'indépendance na biso, pendant 5 ans au Tokéi nango justice ces âmes là mouté, cessons de nous plaindre, mais remettons-nous au travail pour corriger ce qui a été qui n'a pas été bien fait. Voilà mes chers amis, je m'arrête ici en disant merci encore une fois de plus à vous tous ceux qui continuent à vous abonner sur ma page, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux sur lesquels j'ai beaucoup de messages et vous encouragez que tout continuez à réfléchir, vraiment continuez à le faire. Et là, comment on a fait ça, vous partagez l'émission. Ceux qui vous suivent pour la première fois, abonnez-vous. Vos abonnements sont plus importants. Pour Nanini. Parce que de mort, comme on dit, plus nos vidéos sont partagées, plus l'idée va être ancrée, même dans ces dirigeants-là qui ne connaissent pas le réel problème du pays. Tant que Bakolanda Biso, ils peuvent avoir quelque chose. Ça c'est très bon. Comment est-ce que nous pouvons l'appliquer? Il y a beaucoup déjà de politiciens qui me contactent. Batebele, Bazo Bengangai, Germain, comment est-ce que vous pensez? Nous discutons pendant 2 heures. Et ça, je suis très fier. C'est ça même qui fait que Nazoti kate nazokende pona bundela mboka na biso pour que conscience ezala epai batwebele pour que batunyoso to yeba problème eza nini pour que to trouver ba solution appropriée na mboka na biso. Alors nous sommes aujourd'hui une nouvelle semaine, espérant que semaine où eko évolue to komona ba candidature mususu, et puis nous allons faire attention au discours de ces gens-là, des faux messie et de vrais messie qui viennent demander la magistrature suprême.
Je vous laisse en vous disant merci beaucoup et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.